2020 devait pourtant être une année chargée en pleine de promesses. Après la bonne performance des Barias à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les différentes équipes nationales dans différentes disciplines ne demandaient qu'à améliorer les records. Mais il n'en sera rien. Les rendez-vous internationaux sont presque tous reportés à des dates incertaines au moment de l'annonce des décisions. Sur le plan national, tournois, rencontres et compétitions sont également annulés pour leur grande majorité. Même les séances d'entraînement étaient proscrites, pénalisant les équipes et les athlètes. En football, les compétitions ont repris en septembre. Aucun joueur local n'a été sélectionné ni au match de préparation ni au match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Manque de compétition, explique le coach Nicolas Dupuis, qui pour les deux seuls matchs officiels de l'année n'a retenu que les expatriés. Ce furent les matchs aller et retour contre la Côte d'Ivoire, comptant pour la qualification à la CAN 2021, reportée en 2022. À l'issue de ces deux matchs, qui se sont soldés par une défaite et un match nul, les Barias se retrouvent deuxième du groupe K, avec 7 points derrière les éléphants ivoiriens qui comptent les mêmes points. Faute de compétition nationale également, les championnats et les coupes nationaux n'ont pu être terminés. Madagascar n'aura ainsi aucun représentant aux compétitions africaines. Aucun club ne semble prêt, ni physiquement, ni financièrement à ces rencontres. En basketball, l'équipe de la Gendarmerie Nationale Basketball Club, qualifiée pour la première saison du basket Afro-League, n'a pas pu s'envoler en Afrique pour affronter ses adversaires. L'équipe nationale masculine de basketball a néanmoins pu participer au match de qualification d'Afro-Basket prochain, Afro-Basket 2021 au Rwanda. Avec 3 défaites sur 3 matchs, ils auront toutefois l'occasion de rectifier le tir en février 2021 pour avoir le ticket. Avec le déconfinement, les compétitions ont également repris au pays. Comme prévu, Madagascar a pu accueillir le championnat d'Afrique de judo. Celui-ci a finalement pu se tenir du 17 au 20 décembre. Les judokas malgaches ont obtenu 4 médailles de bronze. Au même moment, les karatékas malgaches ont également pu participer à distance au championnat d'Afrique de kata U14, l'occasion de remporter 5 médailles d'or, 4 d'argent et 5 de bronze, ainsi de finir premier au classement général. Pour les championnats nationaux, 2020 était une année blanche pour plusieurs fédérations. Ceux qui ont fini l'année ont adopté la formule du raccourci.